generations, our people struggle just to survive. Ready go. Let's go! The javelins allowed us to fight back the chaos. And the walls protected our families, loved ones. Remember, we're a team. The anthem still rages. And walls can only do so much. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test du jeu le plus attendu de 2019. Il s'agit de Anthem sur PlayStation 4, édité et développé par EA et BioWare. Sortie officielle le 22 février 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Et note moyenne, très moyenne, de 11,5 sur 20. Donc là il y a un problème, va falloir quand même qu'on en parle un petit peu. Je vous mettrai directement au pire dans la description si vous voulez pour passer de suite au gameplay, parce qu'il faut que je vous parle quand même de certaines choses. Pourquoi, selon moi, ce 11,5 est complètement injustifié, et le jeu, pour moi, ne le mérite clairement pas, et mériterait bien plus. Pas une note excellente, mais une meilleure note qu'un simple 11,5. De base, au moins que je vous parle un petit peu du jeu et de son principe. Vous avez donc du coup un menu assez épuré, assez facile, assez intuitif. Vous avez le résumé, vous pouvez inviter vos amis avec l'escouade et vous avez ensuite les consommables qui sont actifs durant une seule game. À vous de les créer ou de les trouver. Et ça vous offre un sacré bonus, un sacré passif dont je vous le conseille de le mettre que quand des missions haut niveau s'enclenchent ou même quand vous faites des donjons, ce qu'on appelle des forteresses dans le jeu. Plusieurs modes de difficulté, facile, normal, difficile, et ensuite nous avons le principe du GM 1, 2, 3, c'est un petit peu le principe un peu à la Diablo avec les cauchemars de niveau, les tourments pardon, de niveau supérieur. Faites une mission avec un niveau supérieur, le loot sera forcément meilleur et l'XP n'en sera que plus grande. Vous avez donc du coup la possibilité de continuer à suivre la mission actuelle, de changer de mission, de partir en partie libre, de faire les donjons ou même de choisir une partie aléatoire avec d'autres joueurs, sachant que le jeu s'efforcera à vous mettre dans une à coopérer avec 3 autres joueurs, vu qu'il s'agit du 4 en online. Vous serez mis avec du coup des joueurs qui ne jouent pas votre classe. Les classes, parlons-en. Allons à la forge. La forge, vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche triangle de votre manette quand vous êtes dans votre exo. Voici mon personnage. Je joue ce que l'on appelle le Storm. Le Storm est l'une des 4 classes du jeu. Parmi les classes, donc là pour l'instant je n'ai débloqué que le commando, l'intercepteur et le tempête. Je pense ne pas avoir besoin de vous montrer les images des autres. Le jeu a assez fait parler de lui, donc je pense qu'il est inutile de vous montrer ça. Vous avez plusieurs items consommables à vous mettre pour augmenter, ce que vous voyez en haut à droite, votre high level. Le high level, toujours ce principe évolutif avec un leveling qui est propre aussi à votre personnage. Plus vous montez de niveau, plus les objets seront de qualité. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 armes pour votre personnage, choisir son pouvoir avec L1 puis un autre pouvoir avec R1, et vous avez un ulti avec la flèche du haut qui est unique en fonction du javelin que vous utilisez. Que je vous parle plus en avec plus de précision durant le lore. Le monde dans lequel vous êtes, vous m'avez vu dans un monde qui est un hub social qui s'appelle Fort Arcis, qui est la dernière cité humaine sur cette planète à être encore debout, avec une faune et une flore sauvages en constante évolution, qui, elle, ne va pas s'arrêter pour vous, en gros. Ça reste évolutif, et en fonction des zones où est-ce que vous allez aller, un certain principe de phasing map est présent, et du coup, en fonction de votre level, des zones vous seront plus ou moins accessibles, ce qui reste assez sympa et qui vous donne cette impression de, du coup, qu'il va falloir bosser un peu et évoluer, en plus de faire des missions secondaires, outre que les principales, même si le jeu se finit en une quinzaine d'heures sur la trame principale, les contrats augmenteront bien entendu la durée de vie. Je vous montre un petit peu aussi, voilà, les armes, vous pouvez bien sûr les fabriquer en faisant du loot, etc. Pour en revenir au lore, le monde tel que nous le connaissons a été laissé par une ancienne civilisation que les hommes appellent les chercheurs humains, que l'on nomme les arcanistes, appellent les dieux. Les dieux ont laissé le monde tel qu'il est, voyant que le monde courait à sa perte, ils laissent le monde
Ils étaient en train de construire des machines qui dépassent l'entendement, et ils ont laissé le monde tel qu'il est. Au final, du coup, les humains sont laissés comme ça, sans défense, étudient la technologie de ces dieux et en créent les javelins, qui sont des armures que vous pouvez porter, qui rappellent un petit peu un mix de plusieurs jeux pour ce jeu qui est Anthem, un mix entre Warframe pour ce qui est l'armure, le côté overground space opéra qui nous rappelle étrangement Destiny, le principe de leveling inspiré un petit peu avec les modes de difficulté, le high level bon, qui compare les The Division, les Destiny et le mode de difficulté à la Diablo, néanmoins le gameplay est très porté du Mass Effect Andromeda. Et justement cette note pour moi de 11,5 n'est pas du tout justifiée, parce que en vrai... On met une étiquette sur un studio qui s'appelle BioWare, qui pour la plupart des joueurs n'ont fait que Mass Effect, alors qu'ils ont fait bien d'autres jeux, Baldur's Gate, Dragon Age, j'en passe, et pour eux, ils s'attendaient à un Mass Effect, et quand ça quitte un petit peu la linéarité d'un principe de conception par rapport à des développeurs, ça ne plaît pas. Et je trouve que ce bashing médiatique qu'a subi le jeu n'est absolument pas justifié, trop de gens se sont hypés, et comme le dit si bien le proverbe philosophique, plus on en sait sur la vie, plus on a de chances d'être déçu. Et c'est exactement ce que les joueurs et les journalistes ont fait. Ils sont déçus d'un jeu qui est très prometteur, je trouve, personnellement. Et pour moi, je pense qu'un 15 bien mérité serait une note tout à fait justifiable pour ce qu'il a à nous proposer. Des DLC, 3 DLC gratuits, nous seront proposés à partir du mois de mars. Donc on sent que déjà le jeu a envie d'être peaufiné et il est travaillé par les développeurs. Donc ça pour moi, c'est un avantage très conséquent et à noter, un très bon bonus. Pour ce qui est du gameplay, je vous proposerai du coup un ensemble de cuts compilation avec trois de mes amis en online. Donc je remercie d'avance Bat, Helium et Ju qui m'accompagneront durant cette game. Mais voilà, pour moi la note n'est pas du tout justifiée, le scénar est vachement sympa, et donc du coup les humains doivent chercher avec l'aide des chercheurs humains qui eux ne sont pas des pilotes d'armure que l'on appelle des freelancers, doivent trouver donc du coup les secrets de ce monde passé pour essayer de s'en sortir. Dans ce milieu, vous voyez que dans Fort Tarsis, il y a une vision en FPS. C'est une dédicace de BioWare aux développeurs de Guerrilla qui ont fait notamment Killzone. Vous vous rappelez peut-être un petit peu cet effet un peu killzonesque justement autour de moi. C'est justement parce qu'ils ont assisté à la conception en tant que simple spectateur, mais c'est un petit clin d'œil en fait pour eux. Je trouve que le jeu est assez beau, même s'il est calibré à 30 FPS sur console et qui vous occupera un petit peu plus d'une quarantaine de gigas sur votre espace de stockage. Pour moi, je trouve que... On crie pour pas grand chose, malheureusement. Et donc du coup voilà, c'est à nous de faire des recherches sur ce monde et d'essayer de s'en sortir alors que nous avons été laissés à l'abandon par l'ancienne civilisation. Sur ce, je vais du coup m'arrêter de parler de tout ce qui est lore, etc. J'en ai assez dit. On va enchaîner directement du coup sur du gameplay. Je vous laisse visionner tout ça, c'est un gameplay déjà préenregistré, nous venons à peine de terminer. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage en espérant vous faire changer d'avis pour ceux qui sont assez sceptiques. Certes, c'est un jeu qui coûte le prix fort, mais ce test est bien entendu là pour vous pour vous donner un avis beaucoup plus concret, positif ou négatif. Pour moi, ce sera mission accomplie si vous avez décidé à la fin de ce gameplay découverte d'acheter ou pas le jeu vidéo. Sur ce, bon visionnage à tous et à ciao. Il nous en manque un. Où est-ce qu'il est? Attention. Il va arriver. Il est là. Lui aussi. Oh, il a bien réussi son violet. C'est vrai. C'est bien. Ouais, j'avoue. On a tous une très très belle couleur. Qu'est-ce que vous êtes beaux, les chéris. Le violet, c'est une très très belle couleur. Cordula version mâle. Non mais c'est dans Fatal Bazooka ça. C'est avez-vous quelque chose à dire? Avez-vous quelque chose à dire sur les enfants violets? Ah bah ouais, ah, oui. Je pense que le violet c'est une très belle couleur, t'as vu? Oh putain. En fait, vous êtes trompé de chemin. Bah non. Ah bon? Attends mais... Moi ça me dit d'aller là-bas. Bah oui, mais on arrive, mais pas du même côté. Ah, il y a donc différents points pour arriver. Oh là là. C'est un très bon point pour le jeu. Il faut caler. Il faut caler, Guada. Voilà. Prédateur éliminé 4 sur 12. Bon. Oh, elle a fait une toupie.
qu'est-ce qui se passe? J'ai un temps de chargement. Non, de la stabilité durant les serveurs? Day one d'Anthem? Oh, tu me fais marcher. Erreur lors de la mise à jour des données du pilote. Ah, ouais. Ah, mets ça dans ta vidéo. Est-ce que tu... Attends, par la partie vocale, tu pourrais nous rejoindre? Je vais voir, attends. Je regarde. Social. Équipe. Ami. Où est ce bon vieux... Où est ce bon vieux... Ah, mais y'a que moi. Ah, je pensais que tu y a que toi, y'a que toi qui t'es barré. Y'a que toi. Que toi, que toi. Ah, mais putain, mais je suis... Je suis chanceux. Il manque un prédateur à éliminer. Où est-il? Où est-ce qu'il est? Continue comme ça, Johnson. Je vois pas de point rouge. Mais c'est pareil, ça m'a fait exactement la même chose la dernière fois que je l'ai fait cette mission. Le 12ème, il est pas affiché, il est quelque part. Genre, faut péter les œufs. Cherche-le. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Ben, voilà, c'est bon. Charlie. Où est Charlie péter... Charlie. C'est pas très Charlie tout ça, quand même, hein, en vrai. Oh là là. Ah, j'arrive, le son s'est coupé. Oh là là. Et ça fait plaisir de jouer à ce jeu, quoi. Je pense que le deuxième javelin que je vais débloquer, ce sera le Sturm. Le Sturm. Ah, il y a du monde. Il y a du Pueblo, là. La population. Et la marijuana. T'as un sacré problème avec les produits illicites, toi. Toujours. C'est toujours les premiers que l'on juge. Make America great again. Me revoilà 8 ans après la guerre. Quand même moche ces facehuggers. Du sashimi d'arachné. Alors, cherchons les collecteurs qu'il reste. Connecteur terrestre. Oh. Ah non, non, c'est pas des cadavres qu'on récupère. Si, si. Ouais, voilà, c'est des cadavres de... C'est des freelancers. Et oh, plus jamais tu me tombes sur la gueule comme ça. Désolé, excuse-moi. Parce que tout son matériel est disparu, même le casque. Si c'est moi qui te tombe sur la gueule, c'est pas la même. Hein, ah bah c'est sûr qu'un Colossus, c'est pas le même poids qu'un Storm. c'est... Comme lors de tes matchs au rugby, c'est comme si le demi de mêlée venait demander au Pilar « Eh oh, moi je te tombe dessus !» Quand le 9 se prend plus grand que le 2. Il est quand même beau. Ah là là. Mais franchement, en vrai, ouais, c'est... il est beaucoup plus lisse, il est plus lifté sur sa version finale, en vrai. Ça me rassure, en un certain côté. Non mais en dehors d'être lifté, il est fluide. Ah oui, oui. Ouais. Ah, c'est intuitif, fluide, c'est vrai que c'est fou, ça. Déjà, ah, parce que la bêta, des fois, c'était énorme. Ah oui, oui. Bah, t'as vu comment on a galéré durant l'alpha, aussi. Ces baisses de framerate et tout qu'on avait. C'était incroyable. Ouais, mais c'est normal, c'était des vieux builds. Et je sais pas, pour moi là... Ça par contre aussi, il faut que BioWare le fasse, parce que là, si vous êtes à peine éloigné un peu de l'escouade, vous devez rejoindre vos collègues dans 25 secondes. Ça va quoi, on va se suivre les gars. Oh ouais, c'est chaud quoi. Faut qu'ils se calment un peu. Ouais, vraiment. Allez hop, on en récupère un. Ah, il y a du peuple là-bas. Faut en récupérer un autre, ouais, en voilà deux. Et un dernier. Ouais, je vais relancer le jeu après parce que... Pourquoi, t'es en train de souffrir ou quoi? Non mais c'est trop bizarre, j'ai pas de musique. T'as le bug du son qui sature tant que t'as pas quitté le jeu, ouais. Ouais, et j'ai des textures qui s'affichent pas. Bon... Au moins c'est bien. Je suis avec Batfap en direct du Day One d'Anthem, votre ressenti. C'est de la merde. Je n'en peux plus.
J'ai frôlé deux fois la crise d'épilepsie. Alors, des ennemis arrivent là-bas. Oh là! Ah, y'a du monde! Y'a un peu de monde. Bonsoir. Attends, laissez-moi y aller au milieu là. Ah oui, tu vas faire la Tesla. Ouais. Ça, ce truc électrique quoi? Ouais, c'est pété ça. Ah bah ouais, bah il a qu'à s'approcher des ennemis, ils prennent une putain de décharge non-stop, c'est trop violent ça. Oh le combo. Oh, oh. Le ranger qui fait entendre parler de lui. Ouais, bah ouais. J'ai rien branlé depuis tout à l'heure là, il s'attend que je revienne. Il s'attend que je revienne dans la game. Je suis colère. Je suis colère. Putain, j'aurais dû prendre... Putain, je suis dégoûté. Au choix du javelin, au choix du lancier. Le lancier? Juste pour le délire, tu sais, au lieu de mettre Zac Efron là. Mais ça c'est dégueulasse parce que tous les mecs, tu les vois, hein, franchement, ils ont trop des têtes. Genre, c'est les hommes parfaits, mais plus dans l'idéal des gamines de 13 ans, tu vois. Enfin, c'est. Sauf parce le gros noir. Tu sais ce qui se passe dans la tête d'une gamine de 13 ans? Ouais, un peu, ouais. Ouais, bon, c'est le moment où ça se touche devant Zac et Cody, quoi, en vrai. Et au milieu, t'as Shaquille O'Neal. Non, mais je veux dire, c'était pas compliqué, à mon avis, de coder un éditeur de perso, quoi. Bah, est-ce que c'est... Oui, non, mais ça, c'est... copier-coller sur celui qu'ils avaient fait pour Andromeda. C'est celui sur lequel ils ont passé des mois à bosser dessus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, qui était bugué du cul à la fin. Ouais, c'est pas faux. Quel intérêt de créer un perso pour que sa mâchoire finisse dans son œil? Je vois pas trop l'intérêt. Ça me rappelle l'image de Jurassic Park, tu sais, avec la bouche. Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Ça me frôle le cul. Bon, mais ce n'était pas cette mission. Non, non, j'ai juste eu un trophée en fait. J'ai pas fini mon temps de chargement. Je me suis dit, mais putain, mais en fait, il bouffe toute la collection. Oh là 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 là, on est record. Après, on a mis quelques finitions. Juste comme tu peux le voir, on s'est mis uniquement les finitions en or. Comme tu peux le voir. Mais non, en vrai, franchement, First Try, il a bien réussi son violet. En vrai, bien. Ah, j'avoue. Ah, il a très ouais, très beau. Violet qui penche un peu sur le noir là. Très sobre. Monsieur est épuré. Mec, il comprend pas, tu sais, la langue française, tu m'insultes ou quoi, enculé? Comment ça, épuré? C'est ta mère, épuré. C'est ta mère, l'épuré. C'est ta mère, la purée. C'est ce que j'allais dire, le mec a vraiment pas compris. C'est ta mère, la purée. Serveur aussi. Trouver les ruines Arcanis secrètes. Elles sont là-bas. T'as les déplacements du colosse. Ouais, vraiment. Les déplacements du colosse sont assez lents, mais la lacune est très vite comblée une fois que t'es dans les airs quand même. Je suis aussi perdu que toi. Ouais, en fait, c'est moi, manière. J'arrive pas à déterminer d'où on est. Je suis jamais passé par là en jeu libre. Non, 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 on est vraiment à une extrémité de map là. Ah, il y a une zone à protéger. Ok, allez, hop, on va s'y mettre là. Oh, il y a du bleu. Comment refuser du bleu? À mon niveau. Ah sympa, d'accord, ok. D'accord, ce flingue il a une cadence de tir un peu différente de celui que j'avais avant. Oh, mais tu vois, tu disais le colosse que je disais à X Rouge dans le... pendant la bêta. C'est que ouais. Vraiment le colosse t'as ce sentiment de puissance quoi, genre tu te sens que t'es puissant. Ah oui, 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 ouais. Tu sens que t'as vraiment un gros truc entre les jambes là, en vrai. Ouais. Alors que moi, la sensation que j'ai vraiment avec le Ranger, c'est que je suis super précis. Ah bah ouais, bah le Ranger, de toute façon, t'as un espèce d'IM qui t'accompagne, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. T'as un espèce ouais, d'IM bot. Ah bah en même temps. De toute façon, l'Interceptor, ça se joue tellement Warframe en vrai. C'est... Ouais, vraiment. Franchement, c'est dur à prendre en main. Genre, c'est pour ça que je te disais que record avec, c'est compliqué parce que je suis tout le temps en train de courir partout et. Ouais, bien sûr. C'est un peu. À moins que tu recules peut-être la caméra directement du jeu, mais ouais. Sinon. Je pense que je devrais le faire d'ailleurs parce que je suis. T'as pas une vue d'ensemble. Je vois pas tout ce qui se passe autour de moi. Mais... Wow.
chercher. Qu'est-ce que c'est? Franchement, elle est stylée, cette 4. Le décor, ah, ouais, vraiment, faut aller dans l'eau. Est... En fait, toutes les 4 sont vraiment cool. Oh yes. Oh. Subnautica, les gens. Oh, oh la ruine, quoi. C'est stylé. C'est quoi ces ruines, mec? Regarde bien la technologie qui a l'air de l'avoir faite. Moi, je trouve ça que ça ressemble à Mass Effect. Moi, ça me rappelle les shaders oui, oui. de Mass Effect, là. Les... Ah oui, mais clairement, oui, bien sûr. Oui. Par contre, je trouve que la direction dans l'eau est ultra chiante. Bah, en fait, faut forcément que t'avances et tu mets que vraiment des légers à coups de joystick parce que sinon tu pars vraiment trop loin, quoi. Ouais. En fait, c'est la truc de caméra qui est censé te guider un peu, je trouve. Vous avez vu que plus vous allez profondément dans l'eau, plus votre barre de pression diminue rapidement. Ouais, en fait, c'est pas par rapport, c'est pas un indicateur d'oxygène, c'est un indicateur de pression en fait. Ouais, c'est trop ouais il explique ça au tout début par rapport au joint. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait ces oh. Regarde ça, alors ça. Regarde ça. On se croirait dans Mass Effect. C'est complètement Mass Effect, tu sais, les ouais, clones, ouais, ouais. Les gens qui ont créé les. Aussi. Bah, moi, je trouve que ce soit sur Vex. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, mais de toute façon, t'as mis de tout, que ce soit sur Warframe au niveau de l'armure, que ce soit sur le Space Opera, made in un petit peu Destiny, l'Open World un petit peu avec le côté The Division, avec la montée d'high level de niveau, tout ce que tu veux. Et puis, bien sûr, t'as ouais. exactement la patte gameplay Mass Effect Andromeda. Hein, donc, et le système de boss à la Monster Hunter aussi. Même les décors, ça ressemble au Taken. Oui, oui, ouais, bah ouais. C'est sûr que c'est un monde déjà abandonné par une ancienne colonisation où est-ce que les gens se retrouvent un petit peu sans rien. De toute façon, c'est le lore du jeu, donc en même temps... Ouais, ouais. Ok, bon, bah, on est dans un monde... Et maintenant, on a du Uncharted, là, un peu. Ouais, vraiment. J'en ai gelé certaines, ouais, si vous voulez les couper. Ouais, j'ai vu. Ça fait exploser quelques-uns à chaque fois. Oh là là, je tombe amoureux de ce flingue là. Ouf, là il... Mais ces quêtes elles sont pas sur PC. J'ai bien avancé quand même sur PC, j'étais niveau 20, mais j'ai jamais fait cette quête. Je crois qu'il n'y a pas les mêmes quêtes. Après, peut-être si, mais que. À mon avis, tu vois, à mon avis, ils en rajoutent au fur et à mesure. C'est sûr. Oui, c'est certain. Ah oui, mais de toute façon, on sait très bien qu'ils y travaillent dessus, de toute façon, constamment. Hein. Et ça veut dire que quand ils disaient que le jeu était. Tu sais, on avait accès au jeu en entier en semaine, la semaine dernière, là, mais en fait, on n'avait pas accès à tout, à mon avis. Ah oui, bien sûr. Et tout ça, c'est lié à la. T'allais dire un truc, toi, Ju? Juste, j'allais dire, si jamais je vous annonce cri de guerre, concentrez-vous sur moi, ça veut dire que j'ai un paquet d'ennemis et ils seront tous paquets sur moi. Ah oui, tu fais ton truc d'aggro, ouais. Ouais. Et du coup, c'est à vous de faire un carnage après. C'est vrai que ça, principe RPG, tank kill DPS, c'est vraiment. Ah, vraiment. Oh, c'est bleu. la fameuse trinité, quoi. Ah putain. Il y a un élite un peu vie rouge, mais. Il avance sur vous. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai mon ulti, j'utilise pas. Non, mais dès que t'auras du monde, tu cries ulti et puis voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est un puzzle game! Oui, okay, laissez-moi faire! Ah, alors attendez, regardez, il y a un symbole là déjà devant moi. Un espèce de carré. Carré rectangulaire. Ouais. Il y en a un en bas, il y a une espèce de. Alors, celui de droite, il faut que ce soit un carré rectangulaire. Et celui de gauche. Vous avez le bon, ok. Encore, si c'est ça, et voilà, c'est ça devrait être bon. Yes, GG. Yes, la coop. Je sais pas si t'as vu l'espèce de pylône contournée. On aurait dit les quand tu faisais le premier raid de Destiny. Comment il s'appelait sur Destiny 2, pardon. Sur Destiny 2. Ah, Calus. Wow. Ouais, on dirait les ornements de Calus et tout ça. Ah, les ornements, ouais. Oui. Oui, effectivement, ouais. Putain, mais c'est classe, franchement, on passe par tous les... Ah oui, on oui, passe partout, attendez, là. Elle a trouvé des trucs à loot. Elle a trouvé des trucs à loot là. Oh, c'était juste des plantes. Ouais, mais en vrai, moi j'en ai besoin là. Non, il y a une ambiance dans ce jeu Moyen-Tard qui soit réacceptée à sa juste valeur là. Ah, on peut pas avancer. Ok, il y a des ennemis devant nous qui vont pas. Oh là, oh putain, un titan. Oh putain, d'accord. On a un titan. Gratuité. Allez, allez-y, avec vos ultis, les gars. T'es prêt? Vas-y, on boit. Maintenant, ouais. Attends, attention, moi je suis en surchauffe complet. De toute façon, il faut qu'on le finisse le plus rapidement possible. Alors, vas-y, moi je mets le mien.
Vas-y, bah, j'envoie le mien aussi. Hein. Oh, c'est le mien aussi. Oh, plus rien. Ouais, vraiment. Le bordel. Ah, mais je suis morte. Ouais. Il a tapé du poing et j'étais dessous. Va falloir qu'il se décale. Fais gaffe avant d'aller la res. Oui, attendez un peu parce que là il m'a vraiment. Ah, on a des succubes, il y a des élémentaires de feu qui avancent vers nous, faites gaffe. Oh putain, merde. Son point faible est dans son dos. Hein. Il a une roche qui s'ouvre de temps en temps. Ah, il a retapé mes petits poils sur moi. Quoi. Barrez-vous, faites gaffe. Merci. Waouh, il m'a fait rentrer en surchauffe, putain, je peux plus voler. Moi je me fais défoncer là aussi. Pareil. Pareil. Je suis dans le mal là. Faut qu'on reste plus à couvert en s'éloignant. Okay. Je crois que je suis bientôt mort. Ça crame, ça dans la démo ça faisait pas autant de dégâts. D'un coup j'avais toute ma vie, tout mon bouclier. Normal, c'est le dot, il est super puissant. Moi aussi je suis oublié. Je fais les raids pour l'instant. Ouais, en fait les trucs qui mettent le dot de feu là, c'est super dangereux. Éloignez-vous des trucs qui créent à côté de vous. Ok, ouais. C'est chaud. Putain, mais oh là là, il y a du feu partout quoi. Il y a de la glace de partout. Tu frostes toutes les 5 secondes en fait. Ah bah moi je suis cramé de 2 minutes. Il est un peu moins de moitié vie. Ah tu t'en sors. Je suis en train de lui tirer des balles de snipe mais bon ça lui fait pas grand chose. C'est mettre un petit combo. Ce serait bien que... Un truc en pleine gueule. J'ai fait tomber le fichier. Ouais, mets-toi dans le bouclier que j'ai fait là. Ça va te remonter le bouclier. Ah mais non, mais toi t'en as pas de bouclier, ouais, putain, c'est vrai que j'ai pas de bouclier. De là on aura moins de danger. Oh putain, il m'a fait surchauffer mon réacteur encore. Je vais les cramer, attention ulti. Vas-y. Putain, mais j'en ai marre, je ripop, je suis en feu, je remeurs. C'est horrible. Ah oui, encore, putain. Attends, j'arrive. Mais je te dis, je prends feu toutes les 10 secondes, c'est... Attends, t'as des succubes de feu là, fais gaffe. Ouais, je sais. Ouais, c'est comme ça, genre je meurs en 10 secondes avec le feu. Mais il faut s'éloigner. C'est bon, attends, j'ai l'ulti, c'est bon, vous allez pouvoir en profiter un peu. Voilà. Allez, on va la voir. Attends, moi j'ai presque mon ulti moi aussi. Là, je l'ai. Sors de là. Oh putain! C'est tellement violent le canon du Colossus! Ouais, ça m'a niqué. Ouais, t'inquiète, je suis derrière. Oh, moi aussi! Putain, il m'a explosé la gueule! Attends, on en a moins de 2 là déjà dans l'équipe! Hein. Wouah! On va se dépêcher! Ah non, je l'ai vu mort! Faites gaffe, en fait, c'est ça qui nous tue à chaque fois là! Ouais. Merci. Faites gaffe, y'en a 2 qui arrivent! C'est bon. Oh. Il faut jouer la distance, Vic, il faut qu'on s'éloigne plus. Ouais, mais t'es mignonne, moi je suis au 4. Putain, mais je lui mets que du 0, c'est abusé. Ouais, mais sur les succubes, tire-leur dessus, t'inquiète, oui, pour oui, le 4. Salope. J'ai l'impression qu'elle pop sur moi, c'est horrible. Ouais, mais c'est ça en fait, oui, en fait le mob il en fait pop sur nous. Ah oui, il fait ce qu'on appelle une Nova. Ça voit où est-ce qu'on est et après ça. C'est bon, il est mort là. Dans ta gueule! GG. Oh putain de merde! Reculez! Oh putain! Ah putain, bon. Il m'a cramé le cul aussi là. C'est, ouais, d'accord, mais même mort ce il truc. Il explose, ouais, il explose à la fin, ouais. C'était comme l'hydre de Destiny, tu sais, quand tu les butes, elles explosent à la fin. Ouais. Ah, on a un dernier secret à faire, hein. Ouais. Alors, une étoile, je dirais, le premier. Attends, faut trouver où ils sont. Ok, premier, oui. Le premier, deuxième, il est là. C'est une étoile. Là, il y a une ouais, croix là, ici, là où je suis. Ici, il y a une croix. Ouais. Voilà. Celui de gauche, c'est une croix. Il y a une croix aussi. Et celui à droite. De droite, c'est celui de. Ceux de droite, ils sont faits. Et c'est un carré avec un autre petit carré à l'intérieur avec des petits écriteaux. Attends. Encore. Voilà, parfait. Je l'ai. Super.
Il nous manque celui de droite, ça c'est pas le bon à droite apparemment. Il vous faut une étoile, ça c'est bon, et à droite... Ah ça va, c'est bon, d'accord. C'était pas la bonne étoile, ouais, vous aviez l'étoile vide et l'étoile complète. Le loot! À nous le loot! En fait, il y avait qu'un codex. Cette baise de la lecture. Oui, mais il l'a dit de toute façon ici que c'était le dernier repère du dernier codex. C'est incroyable. Moi, oh, je peux pas le lire, c'est normal. Ouais, parce qu'on est trop débiles. On est des freelancers, on n'est pas des arcanistes. Quand t'es un gros boss, genre le titan qu'on a, le problème c'est que tu peux pas l'attaquer au corps à corps. Ben, regarde, on fait la forteresse face à l'énorme araignée. Je suis sûr que malheureusement, l'interceptor au corps à corps il est useless face à l'araignée de la forteresse. Ah. Là, faudra qu'elle joue à distance avec moi, elle sera obligée d'être en recul. Ouais, mais par contre, elle peut bourriner les trash mobs, tu vois. Ah oui, mais dès que t'as les scènes d'araignées qui arrivent dans l'un des quatre coins de la map, t'envoies l'intercepteur dessus de faire le café, c'est sûr. Hein. Oui, là, c'est ça. Et je pense que c'est à ça que ça sert. Oh, oui, complet. Artillerie, soldat, soldat. Artillerie. Les deux, ils ont. Ils ont bourriné, quoi. Ah, mais moi, de toute façon, à chaque fois que j'ai fait des missions depuis le début. Moi j'ai toujours été artillerie moi à chaque fois. En même temps, je fais hyper mal avec ça, en fait. Mais c'est les dégâts d'AO toi, c'est ça qui est ouf. C'est tout ce que tu peux couvrir comme terrain sur un seul tir. C'est ça qui est dingue avec le. C'est pour ça que je dis que mine de rien en termes de DPS c'est ouf parce que c'est très réparti. Moi je vois c'est vraiment du full mono cible, je sers à rien. Même ma grenade, elle touche à les grands max, tu vas toucher 3 ennemis.